TK, c'était un peu comme un grand frère. Quand j'avais des petites questions, des interrogations, quand j'avais des bad mood ou voilà, tu vois, je pouvais l'appeler et lui envoyer un petit message, tu vois. Seulement, bah, le choix qu'il a fait dernièrement, je suis pas du tout fan. Je suis clairement pas pour. Moi, je t'avoue que j'ai certains principes et là, je t'avoue, ça va pas du tout dans cette direction-là. Pour l'instant, je ne lui parle plus. Les gars, c'est pas pour ça qu'il faut le harceler. J'ai vu pas mal de vidéos d'harcèlement, de tweets, de machin. Même avec sa copine qui est jeune encore. Non, les gars, non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, vraiment, si vous m'appréciez, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Yo les gens, salut à tous, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, je voulais tout simplement faire une vidéo réponse à Le Bouzeur. Vous étiez nombreux à m'avoir envoyé la vidéo en me disant « Ouais, TK, regarde, il parle de toi. Regarde, TK, il veut plus te parler. Regarde, votre amitié, elle est brisée. » Je pense que les gars, sa vidéo déjà, vous l'avez mal écoutée. De la base, déjà, c'est une vidéo FAQ où les gens lui posent des questions, etc. Et il y a une question qui lui est venue. Il y a un abonné à lui qui lui dit « Est-ce que tu comptes reparler à TK ?» ou « Est-ce que tu comptes parler à TK ?» Le Bouzeur, il a été bref. Il a été bref et court. Il n'est pas passé par 50 000 chemins. Et par rapport à sa réponse, je peux que la respecter. On voit bien qu'au début, enfin, quand il parle de moi, il dit « Ouais, enfin, avant d'entamer le sujet de TK, etc., c'est quelqu'un qui m'a aidé, j'en suis conscient, etc. » Et le fait qu'il dise ça, en fait, justement, ça justifie pas tout. C'est pas parce que je l'ai aidé à une période qu'il doit se dire « Ah bah tiens, maintenant, il faut que je soutienne TK. » Non. Si aujourd'hui, il a décidé justement de se séparer de moi pour l'instant, etc., je peux que respecter son choix. Je peux pas me permettre d'être égoïste et de me dire « Ah bah tiens, ça, franchement, c'est bâtard ce qu'il fait. Je l'ai aidé, il me soutient pas. » Non, vous voyez ce que je veux dire? Et par rapport à sa décision, je peux pas lui en vouloir. Je peux pas le blâmer. D'accord? C'est quelque chose, quand il a parlé de moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup affecté. Alors j'en ai plein qui m'ont dit « Ouais, TK, je te parle plus, etc. » C'est quelque chose qui m'ont fait ni chaud ni froid. Mais quand j'ai écouté la vidéo de Le Bouzeux, c'est vrai que ça m'a fait quelque chose. Je peux pas me permettre de dire « Ouais, non, mais ça m'a rien fait. De toute façon, je suis quelqu'un de fort mentalement, etc. » Non, ça m'a... J'ai eu un pincement au cœur. J'en ai eu la chair de poule. Pendant toute la journée, j'étais pas bien. Pendant toute la journée, j'étais pas bien. Je le dis, c'est vrai, j'étais pas bien. Le Bouzeux, c'est pas n'importe qui. C'est quelque chose, c'est une personne qui connaissait pas mal de choses sur ma vie. C'est quelqu'un aussi qui m'a beaucoup aidé quand j'allais pas bien, quand j'habitais dans le 8e arrondissement, avec l'histoire de l'Israélienne. Il était très souvent, parce que lui, il dit « Ouais, TK, il était très souvent là pour moi. » Mais lui aussi. Lui aussi, quand j'avais des périodes où j'allais pas bien, lui aussi, il était là. Et vice-versa. Et voilà. Même si ça fait des années qu'on joue ensemble, qu'on a joué ensemble sur Fortnite, qu'on s'est connus sur Fortnite, qu'on s'est entraînés l'un envers l'autre, ça excuse pas tout. Oh, je suis mort. Viens, il a plus de vie, il a plus de vie, il est là. Oui, je... Oh ouais. Pas parce que justement que je l'ai aidé ou qu'il m'a aidé justement qu'il doit accepter ma relation. Et c'est quelque chose que je respecte totalement. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont essayé que ça fasse un drama. Ouais, TK, regarde, il veut plus te parler. Regarde, TK, il t'a laissé tomber. Non, très loin de là. Si vous écoutez bien la vidéo, il dit bien justement que pour l'instant, il n'était pas prêt à me reparler. Et puis voilà, après maintenant, ça se trouve, il me reparlera plus jamais. Plus jamais de sa vie, il me reparlera. Ou peut-être il va laisser le temps passer, il va attendre que les choses se tassent, etc. tranquillement. Et voilà. Mais c'est vrai que sa réponse, ça m'a touché. Je suis pas resté indifférent. Ça m'a quand même touché, etc., etc. Et j'ai eu un sort de déclic. Le déclic, ça a été quoi? Ça a été... j'ai eu plein de flashs. Tous ces moments passés ensemble à la Paris Game Week. Chaque année, on faisait la Paris Game Week ensemble. Et c'est vrai que ça m'a fait quelque chose. Ça reste quand même mon pote et tout ça. Et même si aujourd'hui... Il devait me dire par téléphone ou même en vidéo, toi et moi c'est fini mais pour de bon. Bah ouais, ça c'est clair, je vais chialer, ça c'est clair, je verserai des larmes. Mais après ma vie aussi, tout comme lui, continuera. Il se fera des nouveaux amis, il se fera une nouvelle équipe, tout comme moi. Enfin moi je suis plutôt quelqu'un dans mon coin un peu solitaire. Je suis pas trop entouré parce que c'est un choix personnel. Mis à part j'ai que Kenny, mais voilà, il continuera de son côté, je continuerai de mon côté. Et puis voilà, maintenant le plus important par-dessus tout ça, par-dessus ces décisions que je respecte totalement, je le dirai toujours, c'est tant qu'il va bien, je vais bien. S'il va pas bien, j'irai pas bien. Et voilà, ça c'est une certitude pour moi. Et tant qu'il fasse ses vidéos, tant qu'il fasse ses streams, tant qu'il est bien entouré, surtout tant qu'il est en bonne santé, c'est ce qui m'importe. Après, ses décisions, s'il a pris ses décisions, c'est pas pour rien, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait.
Et voilà. En tout cas, le bouseux, si t'écoutes ce message, à aucun cas je t'en veux. Je respecte totalement ton choix. C'est vrai que ça m'a beaucoup affecté. Je suis pas resté indifférent par rapport à ce que t'as dit sur moi. Et puis voilà. Je te souhaite vraiment que des bonnes choses dans ta vie. Et puis, bah, je sais pas, peut-être un de ces quatre, on aura l'occasion de... Je sais pas, peut-être on se recroisera, je sais pas, par pur hasard, un événement, je sais pas. Mais voilà. En tout cas, merci pour ta franchise, merci pour tout. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, ou si ce serait juste de se reparler. Merci infiniment.